reste 2 ans. Il me reste 2 ans pour progresser comme ça. Je vais me mettre des crampons et puis. Moi, la coupe du monde. Voilà, juste temps. Vous vous rendez compte, Messi, c'est à 35 ans qu'il a gagné sa première coupe du monde. On a le temps. Reposez-vous. C'est pas très drôle pour l'instant. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Je vais expliquer ce qui se passe. Je vais expliquer ce qui se passe ce soir. Est-ce que vous avez entendu parler des intelligences artificielles? Toute ma chronique a été écrite par une intelligence artificielle. Et c'est vrai. C'est vrai. J'ai soumis des idées à une intelligence artificielle et je vais voir si je peux me faire remplacer ce soir. Et l'idée que j'ai soumise, c'est que j'ai vraiment besoin de filmer du contenu pour Internet. Et ce qui marche vraiment sur Internet, c'est les vidéos d'interaction entre humoristes et public. Et là, j'ai le texte d'une interaction entre le public et moi. Donc, j'ai juste besoin de quelques volontaires. A few moments later. Bonsoir. Je vais essayer de vous faire rire ce soir avec mes blagues. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a une suggestion de sujet de blague? Oui, moi j'ai une suggestion. Je voudrais entendre une blague sur les chats. Très bien, une blague sur les chats. Alors, pourquoi les chats n'aiment-ils pas l'eau? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils tombent dedans, ils en ressortent trempés. C'est bon. Cette blague est drôle. Eh, hey, c'est pas juste. Pourquoi c'est lui qui a le droit à une blague alors que moi j'en ai pas eu? Ne t'inquiète pas, j'ai plein de blagues à raconter. Est-ce que tu as une suggestion de blague, toi aussi? Oui, j'aimerais entendre une blague sur les chiens. Très bien. Très bien, une blague sur les chiens. Alors, pourquoi les chiens ont-ils toujours l'air tellement heureux? Je ne sais pas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de compte Instagram. Excusez-moi, monsieur le comédien? Oui? Je voudrais vous dire que je suis tombée amoureux de vous quand vous avez raconté votre dernière blague. Est-ce que vous voudriez sortir avec moi? Merci beaucoup pour votre proposition, mais je suis déjà pris. Mais je suis flatté que vous ayez apprécié mes blagues. Dommage. Mais je ne veux pas m'empêcher de vous dire que vous êtes le plus beau comédien que j'ai jamais vu. Et que votre sens de l'humour me fait rire aux larmes. Votre sourire est comme un rayon de soleil qui illuminerait ma vie. Merci beaucoup pour vos compliments. C'est très gentil à vous. Et je voudrais vous montrer à quel point je vous aime en vous offrant ce petit poème que j'ai écrit pour vous. Mon amour pour toi est comme un feu qui brûle en moi, jour et nuit. Je ne peux m'empêcher de penser à toi et j'aimerais passer chaque instant de ma vie avec toi. Ah, y a pas marqué. Assieds-toi, j'en sais pas marqué.